Bonjour, je suis Serge Perrin, le gérant de l'agence CIM Immobilier à Tulin. Mon équipe est constituée de 4 personnes. Lisa, qui est donc avec moi depuis 11 ans maintenant. Céline, qui est avec moi depuis 2018 en tant que commerciale également. Et Estelle, qui est ma fille, qui est là depuis le 1er avril 2023. Voilà. Ça fait loin parce que effectivement, j'ai tenté cette aventure à 36 ans. J'ai pris un virage, hein. J'étais employé de banque au Crédit Agricole depuis 12 ans. Et puis, ça fait loin. J'en ai 57 aujourd'hui, ça fait 21 ans. J'ai créé une première agence à Saint-Jean-de-Bournay en 2002, puis une seconde à Beaurepaire en 2008 et un rachat de l'agence de Saint-Simon-de-Brécieux qui existait déjà en 2008 pour ensuite pouvoir acheter et me consacrer que à Tulin depuis 2013, puisque j'avais vendu préalablement mes 3 agences précédentes et notamment à mes anciens collaborateurs qui sont toujours actuels. J'en suis très fier et très satisfait. Oui, alors c'était en 1994, ça remonte encore plus loin. C'était une rencontre en tant qu'acquéreur, puisque finalement j'ai acheté ma maison via l'agence CIM Immobilier de Tulin à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai connu le groupe CIM. Et puis quand j'ai fait un choix de changement d'activité professionnelle, effectivement j'ai rencontré Jean-Claude Miribel à ce moment-là en 2002. Et j'ai été séduit par l'aspect familial de cette entreprise. Et c'est ce que je recherchais tout simplement. Avant tout, c'est l'amour de ce métier, mais l'amour de ce métier, c'est pas seulement aimer, estimer des maisons et faire visiter des maisons, c'est surtout l'amour des gens. C'est ce qui me paraît être le plus important. Ensuite, c'est bien sûr le sérieux dans son travail. Attention, sans se prendre au sérieux, c'est aussi très important. La persévérance, évidemment, ça c'est valable pour tous les métiers. La patience, l'indulgence et bien sûr l'empathie envers les gens, mais ça va aussi avec l'amour. Voilà les maîtres mots qu'il faut pour durer, je pense, dans ce métier. Oui, je peux faire une démo. Qu'est-ce que je peux faire? Un petit Aznavour, par exemple. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Voilà. Bravo. Merci.